Cet an, on a eu une forte pluie qui a conduit une inondation forte. Ils m'ont été mutés. Les deux maisons sont parties. Et il me restait une seule maison où je m'habitais, mais les vieux autres étaient dedans, tout est parti. Alors, ils sont venus nous assister et puis nous recenser. On a bénéficié de bouche-bée. Ce qu'on a à dire, parce que, bon, comment à chaque fois qu'on écoutait à la radio, on nous avait flatté. Bon, je ne dirais pas qu'on nous avait flatté, on nous avait promis une certaine somme là, mais c'était peut-être un mot d'encouragement, mais jusque-là, ça ne va pas. On n'entend rien, c'est tout est limité là. Peut-être ça y est encore, sinon nous, on est toujours dans l'écoute. Le français là, ouais, sincèrement dit, c'est. Voilà. Comme la maison est tombée, on n'en sait jamais maintenant. Oui, il y a des gens qui sont venus et nous assister. Et chose, comment le. Chose. Comment dirais-je? La mairie, chose, l'action sociale, et puis les conseillers même sont venus regarder. Voilà. Il n'y a pas aide, ils nous ont rien donné. Jusqu'à présent, on est toujours là, calé. On n'a rien pris. Oui, dans cette situation, sincèrement dit, le gouvernement n'a pas bien fait. Selon moi, vous allez venir recenser les gens, non, sans rien dire. Ouais, ça c'est pas, ça, ouais, c'est pas normal. Oui, on a été recensé par la Croix-Rouge, l'Action sociale et la mairie. Depuis qu'ils sont venus nous recenser, on n'a rien eu. Ce que nous avons à dire, nous allons demander le gouvernement donc à réagir favorablement pour nous. Une moto, des vivres, le mur aussi est gâté. Et puis la maison aussi. Une situation est venue nous recenser. Plus de 3 mois, on n'a rien dessus. Je suis un peu plus de Je suis un peu plus grand. 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 Je Moi, le bailleur, ben tout bébé, là. Sinon, on a calé pas mal pour tiens là. Tiens, quand il pleut, bas coucou, coucou. Ni mon équipe a bidé pour y aller, pleut bas coucou. Je peux dire que c'est la moitié de mon secteur qui est parti dans l'eau, puisque c'est le plus grand secteur du Fada, et ensuite c'est le secteur qui a été vraiment touché grandement. Avec ses eaux. Nous, on a eu des grandes pertes. Des pertes en vivres, des pertes en papier, des pertes. Bon, seulement qu'on n'a pas eu de pertes en vie humaine, mais il y a eu toutes sortes de pertes. Il y a eu une assistance. Et d'abord, nous sommes les premières autorités qui devraient courir au secours d'abord auprès de nos populations. Et quand on nous a alertés vers minuit, nous sommes sortis. Voir ce dont on peut constater, parce que l'eau était beaucoup, il y a certains coins qu'on ne pouvait pas arriver. De secteur 1, nous avons enregistré plus de 1000 sinistrés. Si je dis les 1000 sinistrés, ça veut dire que des ménages, des chefs de ménage qu'on a enregistrés. Il y a eu d'autres players qui sont revenus après, mais bon, nous, on a pu enregistrer ces gens-là déposés. Ça tire autour de 1000 et quelques. Mais maintenant, il y a d'autres structures. Comme on l'a dit, après notre passage sur le terrain, il y a eu
l'action sociale qui était là. Je ne sais pas comment ils ont fait leur programme de travail. Il y a eu la Croix-Rouge. Mais jusqu'aujourd'hui, je peux témoigner que les structures dont j'ai ciblé, la mairie, jusqu'à présent, il n'a pas eu de réaction par rapport à un autre soutien, si ce n'est pas un soutien moral, voilà et autres. Mais maintenant, il y a d'autres qui m'appellent pour me dire bon, que l'action sociale les a appelés. C'est quand on les a retirés, là, c'est ça, ou bien c'est quoi. Je dis bon, comme il y a eu beaucoup de structures, peut-être aussi c'est l'action sociale, peut-être c'est à eux qui sont en train d'appeler ceux qui ont arrêté. On a des plaintes chaque jour que Dieu les fait. Mais ceux qui viennent, je pense qu'avec notre explication, ils comprennent bien. Je vais d'abord lancer au niveau des sinistrés, c'est de leur dire vraiment, nous leur demandons toujours une patience. Nous savons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir tout se perdre tout sur le champ. Et aujourd'hui, tu te trouves sans papier, tu te trouves sans vivre, sans où s'abriter, c'est vraiment difficile. Na babon kiala angalke tiama le batan le begema ya le ngam le wonte miel beben kenyal yen golam po ban tinga la bal mam seke action sociale ya ba mpia ban tenten ya ba megem kalmal po biya ya menyal yen ti da bandi torm poto mere yu adam padiane ngalen dinlo ko ko nanda azir ti da lal ba ko. Thank you.